Et nous allons entendre aujourd'hui Jean-Yves Girard nous parler des fondements des mathématiques. Alors Jean-Yves Girard, je vous le présente maintenant. Il est né à Lyon en 1947, il est agrégé de mathématiques et docteur. Il a été une carrière universitaire de 71 à 92, professeur à Paris 7. Il est ensuite entré au CNRS. Il a fait sa carrière essentiellement au CNRS et il est actuellement directeur de recherche au CNRS à Marseille, où il dirige l'équipe de logique de la programmation au sein de l'Institut de mathématiques de Marseille-Lumini. Sa spécialité, c'est logique, informatique, théorique et mathématique. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences, membre de l'Académie européenne. Il est l'éditeur de la revue Annales de logique pure et appliquée, je ne vous le donne pas en anglais, Annals of Pure and Applied Logic, si c'est fait, il est membre du comité de rédaction de la revue Mathematical Structures in Computer Science. Il nous parlera donc du plantage d'ordinateurs aussi, peut-être au passage. Et il a écrit au seuil de deux livres, Le théorème de Gödel et un autre ouvrage, La machine de Turing. Il est donc tout particulièrement qualifié pour nous parler ce matin donc des fondements des mathématiques. Merci. Au revoir. Il est d'usage de dire que le XXe siècle commence en 1914. Ce n'est pas vrai pour les mathématiques. Elles commencent vraiment vers 1890. En particulier avec cette chose dont vous avez tous entendu parler, qui est la théorie des ensembles. La théorie des ensembles arrive au terme d'un long processus de réflexion sur l'analyse. L'analyse, c'est ce qu'on en mathématiques, c'est l'étude des fonctions, des dérivées, des intégrales. Typiquement de fonctions comme le sinus x, log x, ce genre de choses, vous voyez. Et donc ce processus de réflexion, donc, qui dure tout le 19e siècle, jusqu'en 1890 à peu près, consiste à définir vraiment ce que c'est qu'une fonction continue, ce qu'on entend par un nombre réel. Et ça fonctionne très bien, à part que on découvre que se sont glissés des passagers clandestins. Et l'exemple typique de passagers clandestins, c'est par exemple une courbe sans tangente. On a défini ce que c'était qu'une courbe, quelque chose qui se trace comme ça, enfin du moins on pense. Puis en réalité, il rentre dans les définitions des espèces de sucrages de fraises infinitésimaux qui n'ont pas de tangente. Voilà ce qui arrive vers 1890. La question qui se pose, c'est un petit peu à ce moment-là de savoir ce que c'est qu'un objet mathématique. Jusqu'à présent, il nous était donné par Dieu le sinus. Je pense qu'on manipulait très bien la courbe sans tangente. Il faut se poser les questions. En 1890. Le mathématicien allemand Georg Cantor, qui n'était pas encore fou, qui ne cherchait pas encore à démontrer que Shakespeare n'était pas Shakespeare, propose la théorie des ensembles comme explication, dit-il, pense-t-il, évidemment, des mathématiques, de ce que c'est qu'un objet mathématique. Alors, savoir, vous savez, les questions de fondement, hein, c'est bien compliqué. Savoir en quoi il répond à la question... c'est difficile, mais Cantor, il faut aussi, il y aurait d'autres noms comme Dedekind, analyse les nombres, par exemple des nombres très compliqués, comme les nombres réels, ces nombres qui sont entre 0 et 1, qui sont les nombres de l'analyse, et on analyse ces nombres, puis finalement on les dévisse, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au fond les nombres entiers. Et alors les nombres entiers, on les dévisse aussi jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Ou du moins, il pense qu'il n'y a plus rien. Mais c'est vrai, parce que le nombre le plus simple, c'est 0. Et c'est quoi, en théorie des ensembles? C'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'effectivement, on est arrivé, semble-t-il, au fond des choses, si jamais on peut y arriver, bien entendu.
Cette théorie des ensembles dont vous avez tous entendu parler, enfin c'était surtout à la mode dans les années 60, il y avait un abus de théorie des ensembles, se présente tout à fait abusivement comme le langage des mathématiques. Ce n'est pas le langage des mathématiques, quoi qu'on en dise. Pour vous donner un exemple, vous savez tous plus ou moins ce que c'est qu'une équation du second degré. Un nombre réel, si on en croit Cantor et Dedekind, c'est un nombre qui peut s'analyser comme un ensemble de nombres rationnels qui eux-mêmes s'analysent comme, des trucs compliqués entre entiers relatifs qui eux-mêmes sont des entiers, tout court, qui eux-mêmes sont des ensembles. Bon, essayez de résoudre une équation du second degré avec ça, vous n'allez pas aller loin. Donc, c'est pas vrai. L'analyse, ce ne se fait pas en théorie des ensembles. Mais, ce qu'énonce la théorie des ensembles, c'est une possibilité de principe. Elle énonce qu'il n'y a qu'une seule mathématique. En principe, alors, si vous voulez voir la différence, pensez à la physique. D'ailleurs, très drôle, on dit la physique et les mathématiques. C'est vraiment un contresens complet. Parce que la physique est faite d'îlots isolés qui sont reliés par des passerelles incertaines. Le même problème ne sera pas résolu pareil suivant que vous le traitez avec des méthodes quantiques ou avec des méthodes de thermodynamique classiques. Et bon, il faut savoir un petit peu juger ce qu'on va utiliser. Alors que les mathématiques, vous avez par exemple l'analyse dont j'ai parlé, mais vous avez aussi l'algèbre, cette bonne vieille méthode formelle qui consiste à jouer avec des lettres, des symboles, résoudre des équations. Et si vous prenez des problèmes de théorie des nombres, comme par exemple le théorème de Fermat, des problèmes sur les nombres premiers, et bien traditionnellement, au XIXe siècle, il y a la théorie analytique des nombres qui va essayer de démontrer les résultats avec les méthodes de l'analyse. Puis vous avez la théorie algébrique des nombres qui va essayer de démontrer peut-être les mêmes résultats avec des méthodes purement formelles, purement symboliques. Et ce n'est pas du tout évident, a priori, que le résultat sera le même. Mais évidemment, en réduisant tout à la même chose, au même rien du tout, on a une unité de principe, mais de principe seulement. C'est quand même assez important. Alors, il se trouve que la théorie des ensembles ait joué un rôle important au début, surtout des fondements, on l'a assez rapidement évacué au début du, disons, les dernières questions sérieuses ont été résolues dans les années 30. Et donc, je vais plutôt parler d'un formalisme qui est presque la théorie des ensembles, qui apparaît presque en même temps, et c'est l'arithmétique de Peano, donc Giuseppe Peano. Nous sommes encore dans les années 1890. C'est là que tout commence. Et ça va nous permettre de voir, de définir, on n'a pas le temps de définir, mais de voir à peu près ce que c'est qu'un système formel. Donc nous allons voir cette petite merveille du monde qui est apparue en même temps qu'on préparait le gaz moutarde, on préparait aussi le formalisme. C'était la science en marche. Donc l'arithmétique de. Donc un formalisme, il faut avoir en tête un mot. Quand on dit formalisme, c'est bureaucratie. D'accord ? Donc le formalisme est fait d'abord de termes. Alors un terme, c'est un mot prétentieux, c'est bien entendu, tous les mots sont très prétentieux, c'est la bureaucratie d'une expression. Donc il faut surtout que ce soit écrit très très strictement et jamais se tromper. Bon, alors, vous voyez ici, donc l'arithmétique de Peano, alors les termes, vous avez un terme, c'est soit 0, soit une variable, x, y, z, ça c'est l'entier inconnu, si vous voulez. ST, le successeur d'un terme, donc c'était rajouter 1. C'est ça l'intuition. Et puis la somme de deux termes, T plus T', ou encore le produit de deux termes.
Donc voilà le commentaire en dessous. Zéro, variable, successeur, somme, produit. Alors, avec cette discipline extrêmement, extrêmement contraignante, on va par exemple pouvoir représenter l'entier 6. Vous voyez, l'entier 6, c'est, vous commencez par 0, S0 c'est 1, SS0 c'est 2, C3, C4, C5, C6. Extraordinaire. Vous voyez, à la pointe de la modernité, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la numération pré-babylonienne. Puisque depuis les Babyloniens, on savait faire de la base, peut-être qu'ils faisaient de la base 20, ou je sais pas, ou de la base 12, ou je ne sais plus. Mais enfin, on redécouvre, vous voyez, on revient 5000 ans en arrière, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça ce qu'on découvre en 1890. La numération romaine est beaucoup plus intelligente que ça, même si elle n'est pas très, très évoluée. Alors, après la bureaucratie des expressions, il y a la bureaucratie des propriétés. Alors, on appelle ça les propositions, des prédicats, des formules. Donc, j'ai essayé de me tenir au mot proposition. Ça n'a pas de signification particulière. Alors, comment forme-t-on une proposition? Alors, ils ont fait un gros travail de réduction, c'est-à-dire à se ramener à très peu de choses. Il faut voir que c'est pas... Quand même, ils n'ont pas trouvé ça sous le sabot d'un cheval. Donc, une proposition, c'est soit l'égalité entre deux termes. Donc, T égale T prime, par exemple, 4 égale 5. Voilà une proposition. Bon. La négation non P d'une proposition. Donc, on peut faire non P, on peut faire non P, vous voyez. P ou P prime. P est P prime, la conjonction, la disjonction. P implique P prime. Et puis, alors là, ce qu'on appelle les quantificateurs. Pour tout XP. Pour toute valeur de l'entier inconnu x, p de x est vrai, ou ici, il existe un x tel que p, voilà les quantificateurs. Voilà ce qu'on trouve, donc, à peu près au tournant du siècle. Bon, il ne faut pas être à 2 ou 3 ans près, il y a beaucoup de... C'est un peu à la louche, cette histoire, mais bon, c'est... Grosso modo, c'est ça. Alors, je vous ai donné deux exemples. Non, je vous ai donné un exemple de proposition. Donc, ça, c'est pour être en harmonie avec l'exposé d'hier. On ne peut pas écrire directement tout le théorème de Fermat avec ça. Il faut. Justement, c'est un travail assez compliqué pour eux. Parce que vous voyez, le théorème de Fermat, il est pour tous les exposants. Et ça, il faut le dire. On ne peut pas expliquer l'exposant variable. Mais par contre, je peux vous faire le cas n égale 3, qui évidemment ne nécessitait pas l'exposé d'hier parce qu'il est connu, je crois, depuis 200 ans ou chose comme ça. Enfin. Donc, vous voyez, le cas est n égale 3, pour tout x, pour tout y, pour tout z. Donc, alors, vous voyez, différent, là, si vous êtes un bon formaliste, ça n'existe pas. Différent, c'est négation d'égalité. J'aurais dû écrire ça, mais j'avais pas la place sur le transparent. Ou alors, ça aurait été tout petit. Vous voyez, ça aurait eu l'air d'une clause en petit caractère dans un contrat d'assurance. Donc, j'ai préféré être légèrement incorrect. Mais faites cette chose par la pensée. Vous voyez, vous le prenez, puis vous l'écrivez complètement, Il faut aller, quand on fait ça, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça le formalisme. C'est là où c'est bon. Bon. D'accord. Alors, si x est différent de 0, si y est différent de 0, si z est différent de 0, alors ici, il faut écrire x3 plus y3 différent de z3. Alors, vous voyez, on n'a pas le cube. Alors, on fait x, croix x, croix x. Et puis, en plus, comme c'est binaire, vous voyez, il faut parenthéser. Et puis, si vous parenthésez différemment, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment... Comment dire? C'est vraiment extrêmement. Alors, c'est vraiment extrêmement, extrêmement sérieux le formalisme. Et alors, il est important de remarquer que le formalisme ne s'engage absolument pas sur le. Comment? Sur le statut des propositions. Vous pouvez écrire des propositions vraies, des propositions fausses. Il y a présomption d'innocence au départ. Alors ensuite, on se donne des moyens pour juger, là, on commence à mettre en place le tribunal, et qui va être aussi très très formel, c'est comme la cour de cassation, on ne juge pas sur le fond. Alors les axiomes, vous avez les axiomes, alors je ne vous ai pas fait de la liste, par exemple P implique P, X égale X, bon il y en a une tapée, ils sont tous aussi ennuyeux les uns que les autres. Donc, ils ne vous étonnent pas.
Ce qui vous étonnera, si vous êtes devenu familier avec ça, si vous devenez accro, c'est qu'on puisse faire quelque chose de ce tissu d'ânerie. Ça, c'est vraiment étonnant. Hein ? Et puis après, vous avez des groupes d'axiomes. Ça, avant, c'était les axiomes de logique, et des groupes d'axiomes qui sont spécifiques donc, à l'arithmétique. Alors, le premier groupe, vous voyez, qui est là, cette première ligne, ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle définit. Elle définit comment les opérations plus multipliées en fonction du zéro et du successeur. Donc, par exemple, vous pourrez démontrer avec, mais on verra après, je crois que j'en ai un à la fin. Je vais vous montrer ce qu'on peut démontrer après. Donc ça ici, ça vous définit. Puis ça vous dit que les entiers, ils se mettent pas en boucle. C'est-à-dire que, par exemple, SX différent de 0, ça dit que 10, par exemple, n'est pas égal à 0. Ça pourrait être le cas. Les entiers modulo 10, 10 est égal à 0, justement. Ça vous dit ça, grosso modo. Qu'il y en a une infinité. Hein. Alors ça, c'est les axiomes, une espèce de collection de principes de base. Et puis après, il y a la manière de socialiser. Alors il y a cette règle qui s'appelle le modus ponens, qui nous vient presque directement d'Aristote, et qui est la manière, le mode majeur de raisonnement, qui consiste à démontrer un lemme, P, et puis à démontrer une proposition Q sous l'hypothèse P. Et lorsque vous avez démontré P, puis vous avez démontré Q sous l'hypothèse P, eh bien, on a déduit que Q est vrai, mais c'est très efficace et c'est très profond, parce que toute la pensée là-dedans, toute la pensée, ce qu'on peut appeler pensée, elle est dans le fait de deviner ce lemme. Et c'est là où, justement, où toutes les tentatives formalistes vont se casser la figure. Parce qu'il n'y a pas de moyen de deviner la pensée. La pensée n'est pas une chose formelle. Bon. Et puis, vous avez ce principe de récurrence ou d'induction mathématique, qui n'a rien à voir avec ce que les philosophes appellent l'induction, et qui est le fait que vous pouvez démontrer quelque chose sur les entiers, en commençant par le cas zéro, et puis en montrant qu'elle passe au successeur. Donc, quelque chose est vrai en zéro, puis si elle est vraie en n, elle est vraie en n plus 1. Alors, quand on fait ça aux enfants, vous voyez, elle est vraie en 0, alors si elle est vraie en 0, elle est vraie en 1, puis elle est vraie en 1, elle est vraie en 2, puis elle est vraie en 3. Bon, et puis à la fin. Alors voilà deux exemples de théorèmes. Le premier vous montre que si vous calculez 3 plus 2, vous trouvez 5. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les. En tout cas, un vrai formalisme ne se tromperait pas. Et puis là c'est l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer démonstration par récurrence, à partir du formalisme de Peano, c'est montré que 0 plus x égale 0. X plus 0 égale x, vous l'avez gratos, parce que c'est dans les axiomes. Mais celui-là, il faut le démontrer. C'est le plus simple. Hein. Poincaré avait mis, le mathématicien Poincaré, dont on a parlé hier, avait mis en doute qu'on avait besoin de ce principe. Et voilà, la réponse à Poincaré, elle est là. Alors, on va s'amuser à être très anachronique. Ça, c'est très important d'être anachronique, parce que sinon, on tombe dans l'historicisme, et alors on est forcé de faire la liste de toutes les erreurs qu'ont fait les gens, et puis il y a beaucoup d'erreurs, n'importe comment, qui n'ont aucun intérêt. Hein. Donc on va passer directement à la fin de ce siècle. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que les mathématiques sont une activité formelle ? Puisqu'on a du formalisme, donc est-ce que les mathématiques sont une activité bureaucratique ? Donc nous avons vu, question, par exemple, est-ce qu'on aurait pu confier le théorème de Fermat à un groupe d'énarques qui nous aurait fait des directives, des super directives, etc. Ils y seraient arrivés en 300 ans. Bon, c'est impossible parce qu'il faut des idées. D'accord ? Hein ? Bon. Alors, tout ça pour dire que les mathématiques ne sont pas réalisables sur ordinateur. Et il y a une activité qui s'appelle la démonstration automatique sur ordinateur qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné, et qui ne fonctionnera jamais parce que, justement, la réponse montrée que ça ne fonctionne pas, elle est dans quelque chose dont on va parler après, qui est le théorème de Gödel. Par contre, les mathématiques, il y a une chose, c'est qu'elles sont vérifiables sur ordinateur. Le formalisme, donc elles sont formalisables, elles ne sont pas formelles. Ça, je pense que c'est exagéré. Mais elles sont formalisables. Et ça, on ne peut pas, même si on est contre la bureaucratie, quelque chose soit vérifiable par la bureaucratie. C'est un peu comme un contrôle sanguin.
Ouais, bon, oui, ben, on peut le faire, on n'a pas forcément envie, mais c'est vérifiable. Et comment et ce qui est même le plus étonnant, c'est qu'au début du siècle passé, bon, quand les gens ont énoncé le formalisme, ils pensaient que c'était vérifiable en principe, mais ça ne serait venu à l'idée à personne. Moi, je me rappelle, en 1975, on m'a parlé d'un projet de vérification des démonstrations sur démonstrations mathématiques par ordinateur, je faisais semblant de ne pas comprendre. Pour moi, c'était impossible qu'une démonstration soit complètement vérifiable. Alors, et en fait, c'est vérifiable. On y arrive maintenant, il y a des tas de systèmes, hein, je n'en mentionnerai aucun pour vexer personne, pour ne pas vexer les autres, qui fonctionnent très très bien. Hein, et, mais il ne faut pas du tout penser que ce soit l'ordinateur, le cybercrétin qui arrive à faire ça. Non, non, il y a quelqu'un qui est là, c'est le programmateur. C'est un travail très difficile que de vérifier. Parce que c'est quoi un texte mathématique? Il y a des tas de jolies choses comme ça. On voit bien que, c'est toujours ça. Vous croyez que l'ordinateur, il voit quelque chose? Vous croyez qu'il comprend quelque chose? Il ne comprend rien. Complètement bouché. Hein, l'ordinateur, il sait faire qu'une seule chose. Il sait vérifier les parenthèses fermantes. Comme un type qui arrache les ailes aux mouches, puis qui les met en deux tas, puis après, il vérifie qu'il y en a autant ici que là. Mais il peut en faire beaucoup. Hein, il peut en faire beaucoup. Il peut en vérifier 3 millions de mouches à la seconde. Ça, c'est fantastique, parce que le pire fou, il ne peut pas faire ça. C'est ça, l'ordinateur. C'est vraiment... Hein. Et donc, l'ordinateur, il a d'extraordinaire, l'intelligence de l'ordinateur se manifeste dans ses petits messages. Donc, la syntaxe erreur, c'est universel. Ça, en dessous, c'est du langage Windows. Tout à l'heure, Windows s'est planté, justement. Donc, vous savez ce que ça veut dire tous, hélas. Hein? Bon, et donc, c'est ça l'activité. Alors, si les mathématiques ne sont pas des activités formelles, l'informatique, l'activité de l'ordinateur est purement formelle. Je ne parle pas de la réflexion sur l'informatique, bien sûr, et de l'activité du programmateur. Et c'est une activité qui demande beaucoup d'intelligence. Mais l'ordinateur est vraiment une bête purement formelle. Hein? Donc, c'est quelque chose qui va nous... Ce rapprochement formel-formalisable, ça va nous guider tout le temps, ça va nous permettre de comprendre, de faire des raccourcis fulgurants. Hein. Et en fait, on peut voir le langage mathématique, mais seulement le langage mathématique, comme une sorte de langage informatique. Il y a des toutes petites différences. Le langage mathématique ne s'exécute pas de manière déterministe, puisque quand on a des règles, vous savez, on essaie de démontrer quelque chose. Eh bien, il faudrait deviner le modus ponens. P, P implique Q, il faut deviner le P. Et ça, il n'y a aucun moyen. Mais bon, ça va aller. Cette analogie va bien fonctionner, pourvu qu'on n'oublie jamais qu'on ne parle que de l'aspect formel des mathématiques et que c'est une réduction, hein, et qu'il ne faut pas faire de réductionnisme. Les mathématiques sont seulement formalisables. Alors, on va rentrer tout de suite dans... les propriétés du formalisme et des formalismes en général, et le formalisme informatique est très pratique pour ça, parce que il n'est pas tenu au sens, alors que les mathématiques et donc je vais vous faire part d'un petit dilemme, quelque chose qui m'est arrivé à Rome en février. Donc c'était 11h du soir, Piazza Venezia, et j'attendais le 64. Qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend le bus? Ou est-ce qu'on dit zut et on rentre à pied? Au risque de le croiser en chemin. Hein. Et donc c'est une question extrêmement profonde. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir que le 64 ne va pas arriver? Est-ce que, par exemple, on pourrait téléphoner, je ne sais pas, il y aura un bureau, puisqu'il allait à Saint-Pierre, est-ce qu'on peut téléphoner au Vatican? Mais c'est une question profonde, parce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'il y a quelque part un bureau qui prévoit les comportements humains, le comportement du chauffeur, les accidents? Je suis vraiment en train de parler d'informatique, je suis en train de parler de formalisme. Est-ce qu'on peut prévoir que quelque chose n'arrivera pas? Est-ce qu'on peut savoir que le formalisme ne produira pas quelque chose? D'accord. Eh bien, la réponse est non. Et donc, la question se pose en informatique... Quand la machine se met en boucle, c'est-à-dire quand elle se met à mouliner à l'infini. Ça arrive, ça. Le truc est dans une boucle, puis vous ne savez pas. Est-ce que la machine va s'arrêter? Est-ce qu'elle ne va pas s'arrêter? Alors, il y a un moyen pour l'arrêter, c'est CTRL-C.
Contrôle C, c'est dire zut, je n'attends plus ce bus. Hein, et puis l'autre, c'est mais si on attend le bus, on a quelque chose pour soi, on a la foi. Donc c'est un dilemme. Et alors, c'est ce dilemme fondamental qui sous-tend toute la partie classique des fondements des mathématiques, en tout cas toute celle qui s'étend jusqu'à 1931, et par extension, disons, jusqu'en 1970, parce que c'est seulement après qu'on sort un petit peu de la bouteille. Et ce dilemme, c'est fondamentalement ne pas savoir, est-ce que c'est la même chose, c'est-à-dire attendre le bus, est-ce que c'est la même chose que savoir décider qu'il ne va pas arriver. Et ce dilemme, on va le retrouver sous le nom récessif, expansif, ce sont des néologismes que j'ai inventés pour cet exposé. Zut. Bon, alors, nous revoilà en 1890, début du XXe siècle, et donc nous arrivons au paradoxe, et le paradoxe le plus connu, c'est la diagonale de Cantor, et qui est pas la mère de toutes les batailles, le père de tous les paradoxes. Et il date donc des années 1890. Et ça vient du grec. Bon, para, c'est dehors. Et doxa, qui réfère au dogme, au pire, mais à l'opinion, à l'intuition. Donc c'est quelque chose qui heurte l'intuition. Et le problème qui se pose. C'est un problème, à l'époque, justement, c'est lié au nombre, c'est le problème de l'énumération. Alors, on veut énumérer. Alors, vous savez, énumérer, ben voilà une énumération. Supposez qu'on sache ce que c'est le français, bon, il évolue beaucoup en ce moment, il y a des mots nouveaux tous les jours, comme piercing, je ne sais pas quoi. Bon, mais enfin, supposons qu'on ait une cause d'accord sur une liste, bon, on peut faire une liste. Et vous savez, c'est l'ordre alphabétique. Hein, bon, voilà une liste. Ah, on peut encore faire mieux, la liste des entiers pairs, hein, bon, elle est c'est un peu une idée, mais vous voyez, 0, 2, 4, 6, ainsi de suite. Bon, ça fait encore une belle liste. Tous les programmes d'un langage. Alors, vous savez, les programmes, c'est des suites de bits, des 0 et des 1. Alors, il y en a une infinité. Il y en a beaucoup, parce qu'un programme, c'est une longueur. Ben, comment on les énumère? Alors, pour ceux qui ne se sont jamais posé la question, ben, vous les rangez par taille. Et puis, à taille constante, comme dans un dictionnaire. Il ne faut pas faire comme le dictionnaire parce que vous arriveriez jamais, vous feriez 0, 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 vous n'arriveriez jamais à coincer un là-dedans. D'accord ? Hein ? D'accord. Alors, la question, eh bien voilà, Cantor, et c'est un truc qu'on ne lui a jamais pardonné, j'ai eu deux réfutations cette année, hein, de ce truc-là. La suite rangée, est-ce qu'on peut faire là? Ranger toutes les suites infinies de 0 et de 1. Alors, on va vous le montrer, c'est presque de l'animation. Hein. Eh bien, voilà, je les ai toutes mises, là, les suites, vous voyez. Voilà, ici, vous avez la première suite, je les ai mises en horizontalement, vous avez la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Bon, j'avais pas cette place, je suis pas allé jusqu'au bout, vous voyez, mais elles sont toutes là. Hein. J'en ai oublié aucune. Bon, alors voilà ce que fait Cantor. Eh bien, il va regarder ce qui se passe dans la diagonale, c'est-à-dire, il fait ça. Vous voyez? Il prend exactement le premier chiffre de la première, le deuxième chiffre de la deuxième, le troisième chiffre de la troisième, etc. Oui, il s'est fait cette diagonale. Bon. Et puis alors, il fait un truc encore plus tordu, il échange les bits sur la diagonale. Vous avez vu? Hein? Zut. D'accord? Donc, il est là. Alors maintenant, il dit que cette suite, elle ne fait pas partie de mon énumération. Pourquoi? Parce que si cette suite fait partie de mon énumération, disons, ça serait celle-là. Hein? Mais pourquoi ce n'est pas celle-là? Parce que celle-là, en fait, vous voyez, à l'origine, j'avais un ici. Mais lui, là, sur le machin, ça doit être le 23, là, le numéro 23 ou 22, je ne sais plus, il a un 0. Vous voyez, j'en ai oublié au moins une. En fait, je les ai presque toutes oubliées. Hein, voilà. Voilà le paradoxe de Cantor. Hein, et ça, on le retrouve théorème de Gödel, paradoxe de Russell. Il y a même des résultats positifs en topologie, etc. Enfin, on le retrouve partout dans des tas de résultats au XXe siècle. Bon. Alors, ça nous amène à une notion intéressante qui est...
l'expansivité. Et donc la question liée donc au paradoxe de Cantor, que le paradoxe de Cantor résout négativement, hein, par l'intermédiaire de Gödel, Turing et de gens comme ça dans les années 30, hein, la question suivante, est-ce qu'on peut traiter les informations négatives? Donc c'est quoi l'information négative? Eh bien c'est une information absente. Est-ce que, donc si on revient au bus, est-ce que quand je ne sais pas, quand je n'ai pas d'information, est-ce que je peux dire, ben je peux conclure, non. Est-ce que je peux traduire l'absence d'information comme information négative? Alors, des informaticiens mal inspirés, un peu hâtifs, ont cru dire dans les années 60 qu'il y avait un argument pour. Eh bien, c'est les fameuses options, les cases par défaut sur l'ordinateur. Quand vous ne remplissez pas la case, on en conclut que non. Ah, ben, la case êtes-vous marié, bon, si vous ne la remplissez pas, bon, ben, on conclut que vous êtes célibataire, à moins que ce soit le contraire, mais enfin, bon, il y a une option par défaut. Et donc, ils ont essayé d'expliquer que parce qu'on ne donnait pas l'information, c'était non. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce qu'il y a un retour chariot. Si vous n'appuyez pas sur le retour chariot pour dire je ne remplis pas la case, et bien l'ordinateur, il attend comme un toutou. Et évidemment, si c'est Windows, dans 3 heures après, il est planté. Mais normalement, si c'est un vrai logiciel, un logiciel idéal, et bien 100 ans après, il est toujours là à attendre votre réponse. Donc vous lui dites, je ne réponds pas. C'est le bus, vous dites je n'attends pas. Évidemment, dans les deux cas, vous ne prenez pas le bus. Vous attendiez ou non, vous ne le prenez pas. Mais ce n'est pas pareil de dire je ne le prends pas que de dire je l'attends. D'accord ? Et c'est ça, on ne peut pas traiter les informations négatives. Alors, c'est le problème, donc le problème d'arrêt des programmes. Est-ce qu'un programme va s'arrêter quand il est dans une boucle ? Et c'est résolu comment ? Eh bien, c'est la machine à Cantor. On essaye de mettre des zéros, on met tous les programmes avec grosso modo, on met quelque part tous les programmes avec ce qui donne des zéros et des 1, en admettant qu'ils s'arrêtent, ou qu'on puisse les faire s'arrêter par un miracle. Puis on montre, ben, la machine à Cantor, eh ben, elle nous sort une bêtise, c'est Turing vers 1936, mais c'est Gödel, on peut dire que c'est Cantor, hein, comme vous voulez. Ça a pris beaucoup de temps pour s'apercevoir qu'on faisait toujours la même chose. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit donc que le langage est expansif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il ne sait pas traiter d'informations négatives, il ne fait qu'accumuler. Le langage ne fait qu'accumuler des informations, il ne peut pas se rétracter. C'est impossible. Il ne peut pas. Ou alors, il faut qu'il dise. Il n'y a pas moyen d'aller en arrière, sauf qu'on dise vraiment. Enfin, c'est une machine qui accumule. Et pensez, quand vous recherchez des fichiers, et ben normalement, si votre truc est bien fait, ben les fichiers, s'ils sont bien, il va vous en ajouter, il ne va jamais vous en enlever. Hein? D'accord ? Et alors, les mathématiques, et ben, c'est la même chose, sont expansives. Alors, c'est-à-dire qu'on a toujours plus de théorèmes, Et alors, vous allez me dire, mais c'est le cas des sciences, mais ce n'est pas vrai du tout. Vous connaissez tous un très bon exemple. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 15 ans, le sang contaminé n'était pas dangereux? Et bien maintenant, il est devenu dangereux. C'est incroyable. Et bien la médecine n'est pas expansive. Elle est récessive. Plus on sait de choses, moins on a de résultats. C'est complètement différent. C'est un mode de pensée différent qu'on appellera plus tard récessivité. Et le conflit entre expansif et récessif va être le conflit sur lequel Hilbert va échouer. Le vaisseau Hilbert. Hein? Bon. Alors, justement, venons-en au paradoxe. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord comme paradoxe? Eh bien, il y a des paradoxes de l'intuition. Alors, le paradoxe de l'intuition, le paradoxe typique, c'est la courbe de Peano. Et comme vous n'aurez peut-être pas l'occasion de la voir, je vais vous expliquer ce que c'est. Hein? La courbe de Peano. Donc c'est Giuseppe Peano qui trouve une courbe qui remplit, non pas tout un plan, ça serait trop optimiste, mais vous voyez, qui remplit tout ça, qui remplit tout un carré. Hein? Mais c'est, donc ça va vraiment montrer, vous voyez, on va douter, est-ce qu'une ligne c'est une surface? Hein? Et alors vous voyez comment on fait? Ben, je vous la donne la courbe. Ben, vous commencez, vous voyez, avec quelque chose d'assez épais, et donc pour faire un truc continu, il suffit de jamais lever la craie. Bon. Imaginez que, bon, j'ai bien fait ça. Bon,
J'ai vraiment tout noirci. Mais vous allez me dire, ce n'est pas une courbe parce qu'il y a une épaisseur. Qu'à cela ne tienne. Et là, ce que je fais. Et bien maintenant, je prends quelque chose de plus fin, et puis je recommence. Mais il faut marcher dans ses pas, hein, c'est important. Et je reçois le même chemin où il y a quelque chose de plus fin. Bon. Ben, si je fais avec des crêtes de plus en plus fines, et ben j'aurai une courbe, puisque c'est une courbe bien continue, puisqu'à chaque endroit, je sais exactement où je suis, au degré de précision que je veux. Hein? Alors voilà le genre de petites choses qui arrivent vers 1890, et c'est un paradoxe de l'intuition. Alors, il y a aussi des paradoxes du raisonnement. Alors, le fameux paradoxe de Russell, c'est bien le Bertrand Russell, celui qui a eu une vie amoureuse extraordinaire, qui a aussi fait de la politique, oui, c'est lui. Comment ? Donc, le paradoxe de Russell, comment 1905, donc comme j'ai pris pas mal de retard, ben, je ne vous l'explique pas. Si encore une fois le coup de Cantor, c'est de la diagonalisation. Vous avez X, X, non. Ben, vous voyez, c'est le N, la énième ligne, la énième colonne, et le changer les bits 0 et 1, ça marche pareil. Et donc c'est une contradiction. Et ça, alors ça vient d'un principe des mathématiques qui est que si on a à la fois x dans x et x non dans x, c'est-à-dire une propriété P et sa négation, on peut déduire n'importe quoi. Alors vous avez le formalisme qui est une espèce de machine extrêmement contrainte et un réveil absolument implacable qui fonctionne comme celui-là. Et tout à coup, le ressort est brisé. Voilà, alors évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut faire quelque chose. Alors, Hilbert propose, dès 1900, hein, le problème consiste à démontrer la cohérence, c'est-à-dire la non-contradiction de l'arithmétique. Hein. Bon, il récidive vers 1920 avec un programme finitiste, donc on va expliquer ça. Hein. Et alors, ce qui est important, c'est que c'est une réduction. C'est quand même c'est une réduction parce que qu'est-ce qui nous dit que les paradoxes formels sont plus importants que les paradoxes de l'intuition. Je trouve que c'est assez grave de dire ça. Parce que qu'est-ce qui serait passé, imaginez, si vraiment les mathématiques avaient été... On avait pu montrer bon, exactement faire ce que voulait faire. Hilbert, ça n'a pas marché comme ça. Hein. Mais par contre, qu'une surface et une ligne, ça soit la même chose. On serait bien, tiens. Ça ne ferait plus de mathématiques. Elles seraient non contradictoires, mais elles seraient à la poubelle. Hein? En fait, bon, c'est les paradoxes qu'on a trouvés dans la théorie des ensembles, bon, qui a été corrigé très vite, c'est une maladie de peau. L'autre, ça aurait été une maladie de cœur. C'est pas pareil. Hein? Alors voilà, Zorro arrive et on nous propose un programme qui est basé donc sur des notions, récessives et l'idée fondamentale, ça va être de démontrer, écoutez bien l'accumulation des mots, démontrer la cohérence, c'est-à-dire la non-contradiction des mathématiques dans les mathématiques elles-mêmes. Alors ça nous rappelle quoi ça ? Eh bien, ça nous rappelle le Parlement français qui, il y a quelques années, a voté sa propre immunité. Hein ? C'est quelque chose comme ça. Est-ce que les mathématiques peuvent démontrer elles-mêmes qu'elles sont non-contradictoires ? C'est un petit peu ennuyeux, non ? Hein ? On ne voit pas quelle valeur ça peut avoir. Alors, Hilbert, quand même, bon, était excessif dans son réductionnisme, mais il n'est pas complètement idiot, hein, pas complètement. Et c'est les mathématiques, si vous voulez, qui vont se justifier elles-mêmes, mais on ne va pas prendre, toutes les mathématiques, on va prendre un tout petit bout seulement, une espèce de commission parlementaire. On aurait pris que les sages du Parlement, je ne sais pas qui c'est, mais on aurait pris 3 ou 4, il aurait fait une commission, et cette commission-là, indiscutable, voterait l'amnistie. Hein ? D'accord ? C'est ça l'idée. Donc on va prendre que des méthodes très très simples. Alors cette méthode, c'est la restriction à des propriétés dites récessives. À des propriétés récessives, eh ben, c'est typiquement les identités. Mettez en pensée un pour tout devant, pour tout n. Vous voyez, le théorème de Fermat, ce genre de choses, des choses qui se vérifient cas par cas. Hein ? Alors,
Alors, comment est-ce qu'on va voir, le transparent suivant, ce que ça veut dire, une propriété récessive, et on va voir la propriété récessive la plus importante au monde. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait en tête, le père Hilbert? Eh bien, par exemple, de démontrer qu'un théorème a toujours un nombre pair de symboles. C'est un exemple, ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez, vous démontrez, chaque fois que vous démontrez quelque chose, vous vérifiez qu'il a un nombre pair de symboles, par récurrence. Et donc, vous voyez, si vous avez démontré P, il a, disons, 18 symboles. Alors, non P, ben, il en a 19. Mais donc, non P n'est pas démontrable. Vous voyez, il voulait faire un truc comme ça. Et bon, ben, Dieu merci, ça ne marche pas. C'est trop naïf. Heureusement, le monde n'est pas aussi simple. Il était aussi simple, n'importe comment, on ne serait plus là. On serait tous déjà dans la machine, comme veut faire M. Claude Allègre, attacher une machine et on a enlevé la cervelle. Hein. Bon. La pensée de Hilbert a été, développée ou reprise par le philosophe néo-positiviste Popper. On va appeler ça le popérisme, prononcez ça comme vous voulez. Et un énoncé scientifique, suivant Popper, n'a de valeur que si on a en principe la possibilité de le prendre en principe, la possibilité de le prendre en défaut. Donc c'est l'idée de vérifier les lois de la nature à un certain degré de précision. Hein ? Alors évidemment, ça s'applique aussi à la médecine, et on pourrait dire que c'est une idéologie qui arrange bien les médecins. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, on n'a pas eu d'accident avec les OGM. C'est aussi ce genre d'idée qu'il y a derrière. C'est ça, le récessif. Et alors, comment c'est en mathématiques? Eh bien, c'est vérifier quelque chose à la précision, N, 1 sur N. Et par exemple, c'est voir qu'en mathématiques, on n'a pas eu de contradiction jusqu'à N. Donc, vous voyez, plus vous essayez, plus l'ordinateur mouline, plus il a des chances de répondre à votre question, à trouver un contre-exemple. Donc vous voyez, c'est le récessif, c'est l'ordinateur qui mouline, c'est la non-contradiction. Hein? Alors que l'expansif, c'est la démonstration, c'est le contre-exemple. C'est deux modes complètement différents, c'est attendre le bus, le récessif, ou dire zut. Hein? Bon. Alors donc, c'est ce que je viens de dire, une propriété est expansive, expansif-récessif, c'est absolument dual, être démontrable contre être cohérent. Alors tout ça c'est très joli. Et là, c'était pas Zorro, c'était Gödel qui est arrivé. Et le théorème de Gödel, dont tout le monde a entendu parler, mais pas forcément dans les termes corrects, en fait, nous vient déjà de... Il faut savoir que c'est Hilbert qui a creusé lui-même sa propre fosse. Dès 1904, il remarque que le formalisme est un objet mathématique. Mais c'est normal, il pose la question mathématique du fondement des mathématiques. Il faut bien que ça soit que le formalisme soit un objet mathématique, sinon comment voulez-vous démontrer ? Et donc, si c'est vraiment un objet mathématique, eh bien, ça doit pouvoir s'écrire par les mathématiques. Curieusement, il faut attendre 1931 pour que quelqu'un le fasse vraiment. Mais c'est dans l'idée, c'est dans l'idéologie. Si ça n'avait pas pu être fait n'importe comment, on n'aurait pas pu non plus pu faire le programme. Hein? Alors, ce qui se passe, donc, c'est que les objets du formalisme, les termes, les propositions, tout ça, on leur fait des... On les énumère. Alors je dis que l'énumération est banale. Elle n'est banale que parce qu'elle n'a pas de propriété remarquable. C'était très difficile de faire ça, quand même. En tout cas, les gens qui veulent en tirer des trucs numérologiques, les Gödel et Scherbach et compagnie, s'il vous plaît, ça, le nombre 7, par exemple, n'est pas plus associé à la négation que 13. Il ne faut pas y trouver une vertu particulière. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les propriétés du formalisme deviennent à ce moment-là des propositions, puisque tout peut s'écrire, tout devient proposition. Et en particulier, vous avez des propositions du genre, alors ce petit truc-là, ça c'est compliqué, TOM, AP, ça c'est pour arithmétique de Peano, théorème c'est pour théorème, ben, P, ça veut dire P, vous avez le numéro de P, là, P est démontrable, ou AP
et cohérente. On peut à la fois démontrer P et non P, par exemple. Hein, ça n'a aucun sens arithmétique. Ce n'est pas du tout comme les jolies choses qu'on voyait hier qui ont un sens. Là, c'est vraiment des couches de codage sur des codages sur des codages. Et alors, la machine à Cantor, encore une fois, on diagonalise et on trouve une proposition qui, je me suis gouré là, hein, c'est G, il faudrait mettre G ici. Hein, d'accord. G dit, je ne suis pas démontrable. Hein, il faut mettre un G ici. Alors, la question évidemment qui s'est posée tout de suite, est-ce que c'est le paradoxe du menteur? Est-ce que c'est je mens, vous voyez? Je ne suis pas démontrable. G dit, et non, c'est sa non-démonstrabilité. Et alors, le... Comment et en fait, ben non, ce n'est pas un paradoxe, parce que Gödel réfléchit et s'aperçoit assez rapidement que ce n'est un paradoxe que si on admet que vrai et démontrable coïncident, et on a simplement trouvé un hiatus entre vrai et démontrable, un hiatus entre le monde et sa représentation. D'accord ? Alors, ce qu'on appelle le deuxième théorème, celui qui a souvent été médiatisé, on peut remplacer G, qui est une formule complètement artificielle, par quelque chose de beaucoup plus naturel, la propre cohérence de AP. Si AP est non contradictoire, c'est toujours l'hypothèse, elle ne prouve pas sa propre cohérence. Voilà le deuxième théorème, comme l'autre de 1931. Le premier est plus profond, mais celui-là, il frappe les esprits. Alors, ces propriétés sont des propositions récessives. Cohérence, vous voyez, la machine a essayé de démontrer une contradiction, tourne, mouline, elle n'arrivera jamais à vous donner quelque chose. La probabilité est une proposition expansive. Et vous voyez, ce qu'on a ici, c'est un choc entre la cohérence et la probabilité, entre récessif et de l'expansif. Hein? Et alors, vous avez ici on peut résumer fondamentalement la leçon de Gödel, hein, la différence entre récessif et expansif, hein, fondamentalement différent de ne pas la cohérence et le fait qu'on puisse démontrer ou ne pas démontrer, la différence entre vrai et prouvable, ou le ne pas démontrer et démontrer que non. Et fondamentalement, si vous voulez, quand on revient sur le truc médical, moi j'ai connu très bien une dame qui estimait qu'on pouvait prendre les sens interdits à minuit et rouler à toute allure là-dedans, et en plus elle était adorée de sa compagnie d'assurance parce qu'elle n'avait pas d'accident. Ça, c'est du récessif. Jusqu'ici, ça va. Bon, maintenant, passer du récessif à l'expansif, c'est de faire une loi de ça, ou à partir de faire une loi aussi au sujet du sang contaminé, à dire ben, ce serait bien, c'est ça qu'on reproche aux gens qui risquent d'être jugés un jour. Mais vous voyez que ça ne marche pas si on fait une loi, par exemple, en disant d'imiter cette dame, parce qu'elle s'en sort, pourquoi? Parce que les autres ne font pas comme elle, parce que s'ils faisaient comme elle et ne se garent pas, elle aurait eu un accident. Hein? Donc vous voyez, on ne peut pas faire du déductif sur du récessif, ça ne marche pas. Il y a fondamentalement... Mais le récessif est une forme de connaissance. On est obligé de savoir qu'il y a des choses qui sont uniquement de l'expérience, mais raisonner là-dessus, en tirer des conséquences, ça c'est absolument criminel. Et bon, c'est un peu aussi ce que nous dit le théorème de Gödel. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller beaucoup plus loin que ça. Je vais quand même parler de négation et de négationnisme, parce que c'est un théorème, il ne s'est pas fait des amis. Alors... Il y a d'abord les plus simples, c'est les ennemis. Hein? Je dois vous dire, par exemple, que cette année, j'ai déjà eu 3 réfutations du théorème de Gödel. Hein? Et alors, c'est quelque chose d'intéressant, la réfutation du théorème de Gödel, parce que ce théorème, quand même, il est démontré. Hein? Alors, la réfutation, ben, vous voyez, c'est encore le popérisme, la version la plus négative du popérisme. Hein, c'est ben, n'importe comment, tous des pourris. Tout est faux, il suffit d'attendre. Hein, donc il n'y a qu'à n'importe comment essayer, on trouvera bien une contradiction dans ces saletés de mathématiques. Hein, bon, alors il y a des gens donc, qui essayent de faire ça. Et ils trouvent une contradiction, c'est grand bon, donc ils ont vraiment envie de faire le petit Armageddon, ou comme là ce qui s'est fait au Japon, là, il y a quelques années, hein, le gaz sarin.
Hein, on détruit la pensée, on détruit tout. Bon, et évidemment, donc on annonce régulièrement la contradiction des mathématiques. Alors bon, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce que n'est pas le capitaine Nemo qui veut. Hein. Et pour faire ça, par exemple, il fallait connaître un minimum de logique. Bon, et quand on n'en connaît pas, ben, on fait toujours les mêmes erreurs. Hein. Bon, et alors quelque chose de très intéressant, c'est que contrairement, vous voyez, le théorème de Fermat, bon, il a été démontré, mais il n'est pas exclu qu'en plus, on trouve un contre-exemple. Le théorème de Fermat, il est récessif, on pourrait trouver un contre-exemple. À ce moment-là, les mathématiques seraient contradictoires, mais le théorème serait faux. Qu'est-ce qui arrive pour le théorème de Gödel? Si vous trouvez un contre-exemple, les mathématiques deviennent contradictoires. Eh bien, le théorème devient vrai, puisque l'hypothèse est si les mathématiques sont non contradictoires. Donc, du coup, on détruit n'importe quoi. Vous voyez, ce qui me détruit, ce qui me tue, me renforce. C'est quand même extraordinaire. Donc, ce truc, ce théorème de Gödel, il n'y a pas moyen de le mettre en cause. Il n'y a pas de processus de vérification. Alors, Popper dirait, ça n'a pas de valeur scientifique. Mais enfin, bon, oui, parce qu'on peut dire aussi que ce théorème, il détruit exactement la pensée positiviste barbare de ces gens-là. Hein. Donc, c'est quand même, mais en tout cas, c'est intéressant. Tous les gens qui réfutent le théorème, ils ne savent pas qu'ils le démontrent. Hein? Bon. Alors, l'autre manière, si vous voulez, de s'attaquer au théorème, c'est quand vous ne pouvez pas tuer quelqu'un, vous l'ensevelissez sous les fleurs. Hein? Ça, c'est absolument imparable. Donc, le plus grand théorème de tous les temps, le plus grand machin de tous les temps, on n'en finit plus, n'en jetez plus. Hein? Peut-être que vous avez eu entre les mains une fois ce truc qui s'appelle Gödel et Scherbach. Hein. Bon, si vous voulez, je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais il y a quand même une discussion fondamentale sur la réalité derrière. Bon, c'est quand même une angoisse. Et, la moindre des choses qu'on pourrait dire sur la réalité, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont réelles, mais sûrement l'idée de réalité n'est pas réelle, ça c'est sûr. Par contre, Gödel et Scherbach ont même prouvé que la vulgarité était bien réelle. Ça c'est sûr. Hein. Bon, alors donc, j'ai déjà parlé de toute cette numérologie en tout genre. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, derrière cet ensevelissement sous les fleurs, il y avait la volonté des gens de continuer à faire du Hilbert comme si de rien n'était. Mais en fait, on a fait de ce théorème quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est une chose toute bête. Voilà comment je l'explique. Essayez. Moi, ça m'arrive, hein, de temps en temps. Je peux pas revisser mes lunettes parce que maintenant, je vois plus de plus près. On peut pas se fonder sur soi-même. Bon, et le Parlement, s'il veut voter son auto-amnistie, il faut qu'il s'adjoigne une assemblée plus noble. Il ajoute le Sénat, par exemple, vous voyez. Comme ça, on est plus sûr. Hein. Et alors, c'est le bon sens, mais c'est quand même extraordinaire que Gödel y soit arrivé. Et pourquoi? Mais c'est quand même parce que Hilbert avait savonné sa propre pente. C'est une sursaturation scientiste. Vous vous rendez compte un petit peu? Démontrer la cohérence dans les mathématiques, mais c'est quand même incroyable. Si vous voulez, c'est l'impasse dans laquelle s'enfonce, je sais pas, le dualisme, le réalisme, le positivisme, toute une espèce de pensée occidentale. Hein. Et bon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et puis en plus, avec ces mots, donc on n'ose plus répéter, mais c'était la solution finale. Ça s'appelait comme ça. Hein. Bon, c'est une expression du scientisme allemand. Qui a été employé, dont on ne se rappelle plus qu'un des aspects, mais bon, c'était... Bon, ben, vous l'avez voulu, Georges Dandin, dois-je arrêter? Bon, alors, ce mot intuitionnisme, donc, vous vous rappelez, bon, les frères Dupont, ils sont dans le désert, et ils cherchent effectivement des... Bon, ils cherchent des choses, et effectivement, ils trouvent tout à coup une piste, et puis, ben oui, c'est ce qu'on a fait dans les fondements, et puis alors on cherche encore, on a trouvé une deuxième, et puis on finit même par trouver un bidon à essence. C'est extraordinaire. Bon. C'est ça, c'est ce qui s'est passé dans les fondements. Hein. C'est le théorème de Gödel explique très bien qu'effectivement, pour trouver une piste, il faut déjà l'avoir tracée. Hein. Bon, et on trouve des choses très très profondes, en fait, quand on lit bien, beaucoup plus que dans des traités de philosophie qui sont très ennuyeux, et en plus on découvre que les gens n'ont rien compris. Là, par contre... Alors, ce mot intuitionniste, je ne pourrais pas expliquer, mais ça réfère à des grands mathématiciens du début du siècle, Poincaré,
qui a fait des grandes mathématiques, et Brouwer qui aurait pu en faire, mais qui s'est noyé, pour des raisons que je ne pourrais pas vous expliquer. Qui s'est noyé, bon, paix à son âme. Kreisel, reprenant Kant, nous a dit que Kreisel était un grand logicien, actif dans les années 50 à 70, disons, et qui est un peu le seul à avoir autant de cette glaciation, qu'une espèce de guerre froide, ou je ne sais pas comment dire, entre justement les intuitionnistes, les gens qui auraient voulu comment faire autre chose que du formalisme, qui n'en avaient pas les moyens, et c'est les gens qui voulaient à tout prix continuer à faire du formalisme prussien ou post-prussien. Bon, on nous dit, par exemple, les doutes quant à la cohérence sont plus douteux que la cohérence elle-même. Et c'est vrai, c'est évident. Pourquoi c'est douteux en particulier? Et bien parce qu'on agite des marionnettes qui font peur, là, comme Edgar Hoover aux États-Unis. Le communisme va nous submerger, le FBI, tout ça. Et bien oui, bon, il n'y avait pas... Bon, peut-être qu'il fallait faire des choses, mais enfin, le communisme n'était certainement pas aussi dangereux que ça, en tout cas aux États-Unis. Ben c'est pareil, la cohérence, elle ne menaçait pas, il n'y avait pas de contradiction qui attendait derrière la porte, comme dans une nouvelle de Lovecraft. Hein. Bon, alors on a continué les démonstrations de cohérence, et ça c'est pas étonnant. À côté de chez moi, j'ai une secte qui me porte le nom science, je crois, à l'intérieur, et qui ne désemplit pas. Et bon, et c'est pas... comment ça se fait, malgré, c'est pas malgré que ça soit tissu de conneries, c'est à cause de ça que ça marche. Donc on a continué les démonstrations de cohérence, et bon, c'est quoi les démonstrations de cohérence? C'est un produit indémodable, l'assurance contre l'explosion de la Terre. Il y a des gens, ceux qui sont partis sur la planète Jupiter là, dans le Vercors, bon, on leur expliquait que c'était la manière de vivre éternellement. Bon, donc on vous explique que vous êtes rassurés en démontrant. Alors le plus étonnant, c'est pas cette remarque un peu triviale sur le sectarisme, c'est qu'on a toujours raison. On a toujours raison de suivre les programmes idiots, du moins un certain temps. Bon, pensez quand même que le dernier astrologue, ça a été Kepler. Et quand même, on peut pas dire qu'il... Évidemment, bon, c'était... on ne qualifierait pas le travail de Kepler d'astrologie, mais lui, il ne le savait pas. Et le travail de Gensen, le dernier grand post-hilbertien, bon, c'est un surjon, c'est-à-dire il a cru le faire du Hilbert, et en fait, il a fait autre chose. Et bon, bien entendu, c'est très intéressant, et c'est l'entrée, si vous voulez, dans la modernité, mais qui n'est comprise qu'après les années 70. Alors, la lecture moderne de Gensen, donc c'est l'interaction entre une... Est-ce que je dois m'arrêter? Non. L'interaction entre une preuve de démonstration et une preuve supposée d'une contradiction. Vous voyez, vous avez une démonstration de P, une démonstration de non-P. Supposons que ça existe, vous les faites interagir. Bon, eh bien, on découvre, vers 70, que c'est la même chose qu'une interaction entre un programme et son environnement, entre une fonction et son argument. Il y en a un qui donne, l'autre qui attend. Bon. Et alors, pour dire quand même que j'ai quand même fait quelque chose là-dedans, alors, logique linéaire, c'est moi, 1985, vous voyez, j'étais né à l'époque, le symétrie, programme, environnement, on rend les choses symétriques, et alors on sort du réalisme. Au lieu de référer au monde externe, tout à coup, on devient procédural. Pas procédurier, hein, je vous en prie. On devient procédural. Et donc, ces démonstrations deviennent des procédures appelées dessins. Oui, avec EUN comme dans noir dessin. Hein, d'accord. Et donc, je n'ai pas pu résister à cette référence à Badinguet, l'extinction du paupérisme. Et donc, voilà comment on sort du paupérisme, si vous me permettez. Donc, vous avez maintenant, imaginez deux machines qui discutent. Oui, et puis alors, elles sont vraiment... bon, elles ont fait le vide autour d'elles. Chacune est le monde externe. Elles discutent. Elles ont chacune un dessin, c'est-à-dire elles choisissent chacune un protocole de communication. Et chacun, en fait, a pour but de tester l'autre. Chacun essaie de prendre l'autre en défaut. Vous voyez, vous connaissez ça dans la vie, par exemple, dans les ménages, justement, ça peut arriver. Justement, donc, il y a deux manières. Soit au bout d'un moment, il y en a un qui est plus malin que l'autre, et c'est le consensus, il dit « Très bien, t'as raison ». Ça s'appelle consensus. Et l'autre, ben, ce mot n'existe pas, mais je trouve qu'il va bien. Normalement, il fallait mettre dissension, mais enfin bon, ça ne va pas. Dissensus, elle se chamaille à l'infini. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. C'est que le dissensus est une manière de récuser. C'est une manière de récusation du test. Et donc, s'introduit
si vous voulez, dans l'univers fermé du positivisme, où on a une manière une sorte objective de test, par exemple le théorème de Fermat, on va tester sur, par exemple, tous les cas particuliers. Si on prend cette vision un peu débile, là, que c'est une suite de cas, on peut tester chaque cas. Mais il n'y a pas de mise en cause. La réponse sur la réponse, si le cas, savoir si on doit regarder ce cas ou non, a priori, c'est une liste absolue de vérification qu'on est supposé faire. Et bien ici, il y a la possibilité de récusation. D'accord ? Et donc, ce qui va se passer, on parle de comportement, et c'est comme dans la vie courante. Hein, le comportement, qu'est-ce qui, personne ne m'empêche de sauter sur la table et de me foutre à poil ? Bon, je ne le ferai pas. On se demande pourquoi. Et bien ici, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Hein, et donc, mais pourquoi ? Parce qu'il y aurait un chamaillage. Une chamaillerine, je ne sais pas comment dire ça, c'est le mot que j'en peux pas, c'est moi, dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et donc, les M et M' ont des comportements du haut, ça veut dire qu'elles ont occupé l'espace maximum alloué par l'autre, mais sans chamaillerie. Et à ce moment-là, on peut faire rentrer dans le cadre d'une vision interactive des mathématiques absolument tout ce qu'on veut, y compris des choses comme le théorème de Gödel, qui n'était pas interactif, parce qu'il n'avait plus de possibilité de réfutation. Là, on peut, il y a la réfutation, mais ça, il faut savoir après si elles sont non consensuelles. Avant, c'était consensuel, donc ça ne marchait pas. Donc, il y aura des réfutations, mais elles vont être dissensuelles. Donc, vous voyez, ça, le monde... donc, c'est ce qu'on sort de ce carcan récessif expansif. Et alors, la fin, bon... Et bien voilà, j'ai introduit des erreurs de logique. Ça demande énormément de travail. J'ai des collègues en informatique qui font ça sans aucun problème, mais ils ne le font pas exprès. Moi, j'ai eu beaucoup de travail pour trouver les erreurs de logique. Et donc, j'ai introduit un objet qui s'appelle le démon. J'ai trouvé cette petite notation. Et ce démon, je l'ai rencontré justement à Rome, quand j'attendais le bus, quand j'ai dit « Merde, je n'attendrai pas ce bus plus longtemps ». Et celui qui jette l'éponge, ça correspond à un axiome sauvage. Et donc, on arrive dans une dualité moniste, on sort du réalisme. Alors, cette dualité moniste, je l'ai appelée ludique, parce que je n'ai pas pu utiliser le mot dialectique, parce qu'il avait déjà été pris pour d'autres choses, et je n'avais pas envie d'être invité en Corée du Nord. Merci pour votre exposé. Et j'ai à la fois une question et une petite rectification. Je commence par la rectification. Vous avez dit que Kepler ne se rendait pas compte qu'il était à la fois ce que nous appelons aujourd'hui astrologue et astronome. Ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a des phrases de lui qui sont répertoriées, je ne sais plus où, mais on peut les trouver, qui précisent qu'il était très conscient, enfin qui montrent qu'il était très conscient de la distinction entre les deux. Bon, ça, c'est à part. Ça fait partie des multiples réductions, voilà, auxquelles je me suis livré, mais ce n'est pas faux au niveau de l'intention. C'est-à-dire, c'est quand même l'astrologie accouchée de l'astronomie. Ah, ça, j'en suis bien, voilà, d'accord. Après, bon, lui... n'étant pas spécialiste, voilà, je me suis mais contenté... Mais lui était très conscient du... Oui, sûrement. Et bon, l'empereur Rodolphe n'employait que des astrologues, je suppose. C'est ça, le problème. D'accord. À part ça, je voulais savoir si... ce que vous avez appelé la courbe de Peano, dont vous avez dit qu'il ne fallait absolument pas que ça existe parce que ça avait des conséquences catastrophiques, est-ce que j'ai bien compris à ce niveau-là ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon ? Non, j'ai dit que la courbe de Peano existe tout à fait. Oui. Il y a simplement qu'on a réussi à expliquer, en particulier des gens comme Poincaré, qui ont fondé, grosso modo, qu'on appelait la topologie algébrique. Il est mort en 1112, Poincaré, vous voyez. C'est quand même peu de temps après. On s'est expliqué pourquoi... une ligne, ce n'est pas une surface. Alors moi, je peux vous l'expliquer comme ça. Il y a une explication très simple. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi une surface n'est pas un volume. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais une ligne, par exemple, n'est pas une surface. On a su l'expliquer. Vous voyez, la courbe de Peano, elle n'arrête pas de se recouper. Si j'enlève un point sur une droite, j'ai deux droites. Si j'enlève un point dans une surface, j'ai toujours une surface. Alors, vous voyez, donc on a su expliquer, les mathématiques ont su expliquer que c'était différent. J'ai juste une question naïve. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du tricot ? On a bien affaire à une ligne qui recoupe tous les points d'un plan et qui le crée en même temps. Alors comment est-ce que les mathématiques expliquent ça, enfin le justifient ? Écoutez, je peux simplement vous raconter que quand j'avais 9 ans, j'étais un enfant très spécial. J'ai pas de réponse, mais parce que j'avais appris le jacquard
et que, en plus j'étais très mal vu par mes petits copains parce que j'ai tricoté x égale moins b plus ou moins racine de b de moins 4ac sur 2a. Chacun s'amuse comme il peut. Richard Derard, s'il existe des extraterrestres, auront-ils nécessairement les mêmes mathématiques que nous ? Je pense que oui, parce que ce qui est ici, en fait, c'est une espèce de théorie de l'immanence. C'est-à-dire, on a commencé avec le formalisme qui nous tombait du ciel. On a même eu des logiciens très surestimés comme M. Tarski, dont on peut dire que on peut résumer la pensée de Tarski en disant la logique nous vient de Tarski, qu'il a reçu de M. Metatarski. Hein? C'est une explication très intéressante. C'est vraiment les choses sont comme ça. La piste est comme ça parce qu'on a trouvé c'est les Dupont qui trouvent la piste. Or, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce travail qui nous vient de Gensen et qui est le travail maintenant. Là, on est au 21e siècle. La ludique est publiée cette année. Elle n'est pas publiée l'an passé. Hein? C'est un travail qui en travaillant, en creusant la bureaucratie. En la creusant, trouve au fond des choses complètement externes à la bureaucratie, c'est-à-dire l'immanence. Hilbert, pour pas prendre Hilbert quand même pour plus bête ce qu'il était, c'était simplement un scientiste allemand. Hein. Il a les défauts, mais aussi les défauts d'une période antique, hein, 1900-1920. Il cherchait aussi une sorte d'immanence en essayant de traiter le formalisme, en essayant de trouver ses propriétés. La cohérence. Il se trouve que la cohérence, c'est l'immanence du pauvre. C'est-à-dire, c'est vraiment une théorie cohérente qui... moi, j'en connais des tas qui sont bonnes à acheter à la poubelle. Il y a une théorie des ensembles d'un monsieur Quine qui est bonne, qui est sans doute cohérente et qui est bonne pour la poubelle. Et ça, les Martiens ne l'auraient pas trouvé. Mais par contre, je pense que les principes qui sont dans la ludique, qui sont justement le résultat de la découverte de régularité hors syntaxe, hors de l'intuition, justement, ça, c'est... C'est le point de vue justement non réaliste qu'ont tous les mathématiciens. La réalité est interne. Et si j'allais plus loin dans le supplément détachable que je n'ai pas écrit, vous voyez, il y a fondamentalement un programme non réaliste à mener, la remise en cause des entiers, arriver à comprendre, par exemple, arriver à comprendre la vraie nature des objets et par exemple se débarrasser de ces foutus entiers, parce que l'explication qu'un entier c'est 0, 1, 2 et que l'entier n c'est n fois un bâton, ça va pas loin, hein, comme explication. C'est comme le méta de M. Metatarski. Hein, on peut se passer de ce genre de réalisme débile. Et alors, le problème du millénium dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un des 7 problèmes. À $1 million, il n'est pas facile. Hein. S'ils ne peuvent pas les 1 million de dollars, ils en ont donné 7. Je pense qu'ils ont compté qu'ils auraient bien au moins un siècle qu'ils pouvaient prendre. Ils n'étaient pas obligés de payer tout de suite. Et ça, c'est un problème qui permet sans doute de sortir du réalisme, c'est-à-dire voir les objets comme expression de la dynamique et non pas le contraire. Et alors là, on est en plein dans ces histoires de martiens. Oui, bonjour monsieur. C'est pas très cohérent ce que je vais vous poser comme question, mais... Tant mieux. Je suis pas matheux, moi. Excusez-moi. Comment ça se fait qu'on puisse parler de surface d'un volume ? Comment ? On peut parler de la surface d'un volume ? Oui. Bon, par rapport à ce que vous aviez dit là tout à l'heure... Non, ce que j'ai dit n'importe comment, ce n'est pas un exposé de topologie algébrique. Hein ? La topologie algébrique s'intéresse à la distinction entre surface, volume, ligne. Et bon, on explique très très bien ce que c'est que la surface, que l'enveloppe externe, par exemple, elle nous explique la différence entre l'orange et son écorce. Et justement, elle nous explique en quoi Peano, la courbe de Peano existe, mais elle ne contredit pas cette intuition fondamentale. Que ce n'est pas la même chose. Par exemple, la courbe de Peano, chaque fois, vous voyez que je fais ça, chaque fois que je prends un pinceau deux fois plus fin pour marcher dans mes traces, je double la longueur de la courbe. Par exemple, elle n'a pas de longueur.
Elle n'a pas de direction parce que c'est un sucrage de fraises infinitésimales. Donc en fait, en regardant par exemple simplement la condition, en demandant simplement qu'une droite ne se recoupe pas elle-même, ce qui est quand même assez raisonnable, ça va être une ligne, eh ben on en montrera facilement qu'une droite et une surface, c'est pas pareil. Avec des méthodes plus compliquées, on montrera qu'une surface, que la sphère, l'écorce et l'orange, c'est pas pareil. Voilà. Donc ces questions ont été très, très bien résolues et ce ne sont pas de vrais paradoxes. Ce ne sont pas de vrais paradoxes, ce n'est pas la maladie de cœur dont je parlais tout à l'heure, qui aurait effectivement, formalisme ou non, aurait complètement remis en cause la validité des mathématiques, qui ne sont pas une discipline formelle, surtout pas. Il ne faut pas penser ça. Ça, c'est scandaleux de penser ça. Enfin, à mon avis. On va prendre une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des considérations de Roger Penrose sur la non-calculabilité de la physique? Enfin, il tire ses conclusions du théorème de Gödel. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vous savez, les conclusions, tirer les conclusions du théorème de Gödel sur la physique, ça me semble un peu difficile parce que le théorème de Gödel, à mon avis, il n'est pas adapté. Parce que la physique, on est quand même en physique, il y a quand même deux petites choses. Hein. D'abord, on a le monde quantique, pour lequel il y a un paradigme de calcul qui semble un petit peu bizarre, puisque j'ai entendu Cohen Tanuji dire que le paradigme de calcul quantique était peut-être une espèce de gigantesque chat de Schrödinger, c'est-à-dire que les phénomènes de décohérence, on ne sait pas. Mais il se pourrait très bien que le monde physique change certaines de nos intuitions sur la calculabilité. Deuxièmement, justement, sur quoi? Sur cette question qui s'appelle P différent de NP, qui est une espèce de théorème de Gödel de poche, si on pouvait dire. Hein? Le théorème de Gödel, c'est le seul théorème de Gödel où la diagonale de Cantor, la machine à Cantor, ne soit pas là, parce que sinon, on n'aurait pas mis un million de dollars, parce que tout le monde... par exemple, ce genre de question, P égale NP, c'est savoir si, grosso modo, je simplifie... parce que je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais c'est une vision du monde où, disons, on n'aurait pas le droit à un nombre exponentiel d'étapes. D'accord ? On n'aurait pas le droit à un nombre d'exponentiels de puissance n étapes. D'accord ? Ça correspond assez bien à la dynamique du monde réel, qui est relativement douce. Et donc, moi, je ne vois pas... Moi, ce qui me choque et ce qui me donne vraiment envie de sortir du réalisme... c'est que, par exemple, le réalisme mathématique ne correspond pas au réalisme physique. Puisque la réalité physique qui ne prévoit pas, par exemple, 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 n fois. Hein, quand on voit que les nombres, je ne sais pas, les plus grands nombres physiques, c'est dans les 10 puissance 50, je ne me rappelle plus, enfin, c'est les nombres comme ça. Donc, je n'ai pas de sympathie particulière pour ce genre de choses. Mais bon, il faut mieux quand même qu'on tienne compte du théorème de Gödel, plutôt que comme on fait certains informaticiens, qu'on fabrique des machines à détecter le problème d'arrêt. Qui, bon, quand même, alors que par le théorème de Gödel, c'est impossible. Hein? Je préfère dans ce sens-là. Mais ça me semble un petit peu superficiel, disons. Bon, on va s'en tenir là. Merci.